Nous poursuivons l'actualité, mesdames et messieurs. Il vous souviendra qu'hier, 10 décembre, la télévision a fêté ses 30 ans d'existence, une existence qui comporte des hauts et des bas. Après 30 ans de vie, la télévision est bien mûre et aborde désormais l'avenir avec plus de rigueur pour la satisfaction du public. C'est en substance ce qu'a dit Madeleine Alingué, ministre de la Communication, à cette occasion. Et 1987, c'est cette année qui nous permet de nous mettre sur les ondes, de nous mettre sur satellite et qu'on puisse communiquer avec le monde entier. Donc il est lieu de féliciter, d'encourager et de dire merci à la télévision tchadienne de faire ce qu'elle fait. La télévision tchadienne, depuis 1987, a vécu d'énormément de moments. C'est une naissance qui a été décisive, qui a eu la possibilité de vivre énormément de choses, non seulement en termes politiques, mais en termes aussi techniques, en termes de ressources humaines. Donc on a dû s'adapter, on a dû lutter pour pouvoir mettre en place cette télévision. Et maintenant, nous avons une télévision qui est propagée absolument dans tout le monde. Donc félicitations au Tchad, félicitations à tous les Tchadiens qui font de la télévision ce qu'elle fait. Mais plus loin que ça, la télévision, elle a énormément de futur. C'est un pari sur lequel le Tchad a misé et maintenant nous avons en face de nous le défi qui est le monde médiatique planétaire. Et c'est pour ça que nous nous lançons dans ça. Avec la décision politique de pouvoir construire le nouveau siège de la radio et de la télévision, qui, je l'espère, on va pouvoir le réceptionner en 2018 et qui va permettre de mettre le Tchad sur ce plateau, sur cette visibilité internationale des plus hautes qualités. Nous allons avoir des équipements, du personnel qui sera formé, qui va nous permettre d'améliorer la qualité, le son de notre image. Nous allons pouvoir également avoir un rayon de distribution qui sera beaucoup plus large. Nous allons pouvoir être très créatifs et très innovateurs avec la création de plusieurs chaînes de télévision. Nous allons pouvoir montrer cette diversité qui est le Tchad à travers cette nouvelle télévision qui est là. 30 ans, c'est également, je crois, la consolidation de notre décision. La consolidation de notre personnel, la consolidation de ce que nous voulons réellement. Et 30 ans, ça veut dire force, vigueur, créativité. Et je crois que cette télévision-là, elle promet à tout un chacun, aux petits, aux grands, aux femmes, aux vieux, aux francophones, aux arabophones et à toutes les langues nationales de pouvoir s'exprimer sur cette nouvelle télévision. Et le numérique est ce défi qui va nous permettre de montrer notre diversité, de montrer notre créativité et de vraiment montrer qu'est-ce que peut le Tchad en termes médiatiques, plus particulièrement en termes de la télévision.